Non, ce qui me plaît, c'est que ça a du sens, mais bon, faut le piéger, le sens, là. Arrête de regarder, mange. Ça se mange, la cuisine. Oui, mais ça se regarde, d'abord. Moi, j'aurais mis ma purée là, comme ça. Moi, j'aurais collé mon foie gras là. J'aurais mis mon anchois dessus, là. Et j'aurais mis la ligne de... D'olive, là. Et on a le jus de piment aussi. Mais le piment, alors peut-être sur l'arrière, parce que quand ils vont le manger, regarde. Ils auront tout qui vont se mêler. C'est comme ça que c'est intéressant. Tu vois, comme ça, là. T'as de l'amertume, t'as le sucre. Enfin, je sais pas. Après, t'as le gingembre qui amène la puissance, là. Moi, je trouve que c'est équilibré. Hein. Je sais pas qu'est-ce que tu veux rajouter, moi. Un autre légume? Non, c'est pour autre chose, je sais pas. On connaît la force et l'expression de Michel, mais... Je crois que aussi Sébastien a une véritable expression, une véritable sensibilité qui est différente, mais on est toujours chez les bras. Moitié campagne, moitié cuisine, ma jeunesse. C'était ça. C'est plus facile de monter que de rester. Bon, ça m'angoisse en permanence, c'est nos enfants. Hein. Genre, on serait au Japon, on se dit « Ah non, je bouge rien, on continue comme c'est fait depuis 100 ou 150 ans et on touche rien du tout. » Et voilà. Pourquoi j'ai pas envie de tout casser pour tout reconstruire? Derrière, c'est quoi qui marche? Les gargouillous. Les gargouillous, ça chauffe au dernier moment. Donc ça, c'est pas la peine d'annoncer. Bon, est-ce que c'est une passation? Je sais pas. Bon, je suis toujours là, mais ce temps que je me donne le matin pour être avec les cuisiniers, pour moi, c'est important. J'ai dit à Seba, le jour où je fais plus ça et où je vais plus au marché, tu me vois plus. Hein.